Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Un épisode méga update, spécial 20 000. Tellement update que j'ai été obligé de me faire ma petite liste sur quoi dire exactement. Première chose, la chaîne vient de dépasser les 20 000 abonnés. Merci à tous qui regardaient mes conneries. Merci à tous et à ceux qui laissent des commentaires, même si j'ai pas vraiment le temps d'y répondre. Et merci à tous ceux qui s'abonnent. Cette semaine, j'ai eu pas mal de boulot. Et j'ai eu moins de temps pour enregistrer ou finaliser des épisodes. La deuxième chose aussi, vous le voyez pas, mais il est là. Je suis en train de faire un double épisode sur un caisson pour mon imprimante 3D. Mon imprimante 3D que j'ai renvoyée chez les amages de BCN. C'est BCN ou BNC ? Enfin bref, de machin.fr qui vendent la Sigma R17 et la Sigma Max qui l'ont réparé généreusement. Et en fait, elle a pris quelques coups. Elle était pleine de poussière. Un des moteurs était oxydé. Ils ont retrouvé des trucs dans un des ventilateurs. Enfin bref, j'ai été un cochon des Landes et il est temps que je me fabrique une vraie boîte pour protéger mon imprimante 3D de toutes mes autres conneries et de la poussière en particulier. Pas encore fini, mais ça devrait arriver dans pas longtemps. Et donc un peu tout mon temps libre, je l'ai passé à fabriquer ça et surtout à filmer ça. C'est pour ça que cette semaine, il y a eu peu de vidéos. Voilà ma liste de vidéos que j'ai à faire. Donc, il y a de quoi faire. Oui, 20 000, c'est un milestone, comme on dit, une échéance, un truc. J'ai réfléchi à plusieurs petits trucs à faire. La première chose que j'aimerais faire, c'est je vais faire imprimer des gobelets. Je vais faire imprimer des gobelets, un peu comme celui-là. J'hésite entre 25 centilitres et 50, des gobelets standards où il y aura le logo, puis d'un autre côté 20 000 pour fêter les 20 000. Je vais les donner parce que j'aime bien ça. Déjà aussi pour avoir quelques gobelets pour moi et puis pour les filer aux gentils barbus. Et vu qu'il commence à faire chaud, pour qu'ils aillent boire de la bière ou du coca ou de l'eau, avec la barbitude. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai profité que mon imprimante elle remarchait, j'ai imprimé quelques to-do listers. J'en ai imprimé une cinquantaine. Donc, le principe, il va être aussi, si tu m'envoies une petite lettre avec ton adresse et un timbre, je vais t'envoyer quelques stickers, mais je t'enverrai aussi un to-do lister. Qu'est-ce que c'est un to-do lister? Pour ceux qui ne savent pas, ou la honte, je vais montrer ça. C'est un petit truc qui permet de transformer n'importe quoi en une to-do list. Et oui, si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez l'imprimer, mais si vous avez envie d'un to-do lister, vous savez comment faire. Je vous enverrai aussi quelques autocollants dans l'enveloppe avec un to-do lister. Je vais aussi faire 10 packs, entre guillemets, et il n'y en aura que 10, où je vais vous mettre dans une enveloppe. T'as un mec qui est en train de cramer ses pneus avec la voiture. Donc dans une enveloppe, je vais vous mettre un des cahiers White Lines que j'ai racheté à White Lines, qui est une boîte suédoise, qui fait des cahiers qui sont vraiment géniaux et qui correspondent pile poil avec ces to-do listers. Donc en gros, dans le pack, il y aura votre cahier White Lines, bien sûr, dédicacé, signé, ici. Il y aura plusieurs to-do listers, deux ou trois. Je vais vous mettre des stickers et aussi un Sharpie. Et ça, en gros, je vais le vendre 10 balles, frais de port compris. En gros, j'ai acheté le cahier 5 balles. Voilà, je vous mets des trucs. Ça fera 10 balles. Et ça permettra de financer une partie des gobelets. Et ça va être cool. Je vais mettre dans la description. Je sais qu'il y a des amis francophones européens, suisses, belges, etc., etc., qui ont envie d'avoir les merveilleux stickers que l'ami Morgane nous imprime. Malheureusement, ils peuvent pas m'envoyer de lettres prétimbrées. Parce que si on a des amis belges, si ça part de France, il faut des timbres français. J'ai trouvé une solution. Utip a un truc qui s'appelle les Shoplink. Donc j'ai mis, en gros, vous filez 2 euros et je vous enverrai plein de stickers. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour envoyer ça dans les pays étrangers. C'est l'anniversaire de ma fifille qui a 13 ans. C'était hier. Elle était chez sa mère. Ce week-end, on va faire un autre anniversaire. Elle aura droit à 3 anniversaires, les uns à la suite des autres. Chez sa mère, chez moi, avec ses copines. Dis donc, c'est la fête. Et c'est à peu près tout pour ce qui concerne les 20 000. Alors 20 000, c'est beaucoup.
C'est beaucoup plus que ce que je pensais que j'atteindrais un jour. Et c'est génial, voilà. Pas mal d'épisodes en préparation. J'ai reçu un colis d'un fabricant de trucs, vous verrez, qui a l'air plutôt un outil bizarroïde et peut-être sympa, je pense. J'ai plusieurs épisodes qui sont prévus, un sur le Big Print, pas mal d'épisodes de prévus, la suite et la fin du pied pour la caméra, bien sûr. J'ai pas mal de choses de prévues et j'ai beaucoup de blogs et de mini-épisodes qui sont aussi prévus, avec des sujets relativement variés. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui ont laissé des commentaires ou envoyé des messages après la vidéo de la barbue mobile. J'ai pas eu le temps d'y répondre, mais je vais faire un épisode où je vais condenser toutes vos réponses, parce que c'est vachement intéressant. Le contrôle technique, les véhicules électriques, etc. etc. Il y a beaucoup de choses à parler, et c'est vachement intéressant. Dernière chose, la semaine prochaine, donc à partir du... on est le 20... à partir du lundi 23, a priori, je vais faire un test. Tous les matins à 9h, de 9h à 9h05, je vais faire un micro live. J'en ai essayé un ce matin sur Instagram pour voir ce que ça donnait. J'ai essayé mon gimbal, mais qui ne marche pas du tout en format portrait, il marche que en paysage. Mais le but, c'est 5 minutes, le matin, à 9h, dire bonjour, vous avez des questions, j'ai un ou deux trucs à dire, pif paf pouf. C'est plus pour tester le format, donc n'hésitez pas à passer, venir faire un coucou, le lien vers Instagram, bien sûr, est dans la description. Et ça, voilà, c'est je teste des nouveaux trucs, des nouveaux formats. J'ai mis aussi en ligne l'épisode 234, version normale, qui n'est pas la version condensée, le test de format que j'ai fait. Vous avez été plutôt clair dans votre avis, qui est que c'est pas mal, mais la partie qui vous intéresse principalement, c'est les commentaires et les choses que j'ai à dire sur le projet, plus que le projet en lui-même. Moi, j'ai bien aimé faire ce format vachement court, que je ferai peut-être pour d'autres projets, qui vraiment va droit au but et super court, très cinématographique entre guillemets, pas besoin de blabla, juste on voit le truc se faire de A à Z. 20 000, fucking 20 000, hein. Je ferai un autre update quand on sera à 100 000, hein. Donc pas mal de projets qui vont arriver. Un des premiers qui risque d'arriver, alors il y a des mini épisodes qui vont arriver, ou des épisodes de Barbie Nawak, je sais pas trop. Je vais faire un comparatif entre une visseuse standard et une visseuse à choc. Je vais aussi faire un comparatif entre un masque de soudure à 20 balles et un masque de soudure à 100 balles. Ça peut être intéressant, puisque j'ai reçu le mien il n'y a pas longtemps. Bref, il y a plein de choses, mais c'est vrai que d'arriver à gérer tout ça, le boulot, la lessive que j'ai toujours pas étendue et que je dois faire depuis 2 heures, toutes ces choses-là, plus... même si cette semaine, ma fille n'était pas là, elle était chez sa mère, c'est parfois difficile à arriver à caler tout ça. Mon objectif pour cette semaine, c'était finir ce caisson, qui sera fini demain matin, et normalement, vous aurez l'épisode dimanche. Voilà, c'est à peu près tout pour ce méga update. Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser des commentaires, évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Estragon du Sud, je crois que c'est comme ça qu'il a dit, aller cliquer sur le lien Utip, regarder une petite vidéo, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de nous permettre de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode 20 000 abonnés, méga update. Donc, pour résumer, tu veux un to-do lister, j'en ai imprimé 50. T'as deux choix, tu peux soit m'envoyer une enveloppe timbrée pour que je t'envoie les autocollants avec un to-do lister, ou acheter un des 10 packs avec des to-do listers, des stickers et un cahier white lines pour 10 balles qui permettra de financer les gobelets que je vous filerai ensuite. Les gobelets spécial 20 000, ça va être trop bien. Voilà, c'est tout pour cet épisode méga update, j'espère que ça vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.